Bah, déjà, moi, je voudrais féliciter mes joueurs parce que, au-delà des aspects basket, ça fait 2 semaines que c'est très difficile pour nous parce qu'on a des joueurs blessés, on a des joueurs malades. Je prends l'exemple de Rida sur le dernier match du FUS qui ne devait pas se jouer ce match et qui est quand même venu aider ses coéquipiers. Il y a Zakaria Elfeta aussi qui a joué le dernier match du FUS. On a eu des joueurs malades, des joueurs blessés. Donc voilà, moi je veux juste tirer un coup de chapeau à mes joueurs parce que vraiment, comme on dit, cette expression, ils mouillent vraiment le maillot pour l'IRT et c'est un club auquel ils donnent beaucoup. Donc voilà, je voudrais vraiment les remercier par rapport à leur attitude. Après, sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que j'étais un peu frustré sur la première mi-temps parce qu'on a eu des bons passages. Après, c'est vrai, quand on est rentré dans les rotations, quand on est rentré avec les jeunes, on a un peu plongé derrière. Et on a eu une bonne réaction sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était solide. Donc voilà, on a fait notre boulot. Notre boulot, c'est de gagner les matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a gagné avec la manière. Donc c'est le principal et c'est ce qui compte. Bah, tout d'abord, pour le match d'aujourd'hui, c'était pas un match facile dans le sens où c'est des équipes pièges. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont moins forts que nous sur le papier. Mais il faut les respecter et il faut jouer avec sérieux. C'est ce qu'on a essayé de faire dès le début du match en mettant beaucoup de rythme. Et derrière, en deuxième mi-temps, ils ont craqué. Et c'est un peu la difficulté du championnat marocain parce que d'une semaine à l'autre, on joue des très bonnes équipes ou d'autres équipes qui sont beaucoup moins fortes. Et humainement, bah, c'est humain. Des fois, on s'adapte à l'adversaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a des différences dans nos matchs. Par exemple, en début de saison, on a joué We Dead, où on est un peu rentré difficilement dans le match, ils nous ont piégés à la fin. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a beaucoup progressé, déjà par l'arrivée de nouveaux joueurs, et surtout parce qu'on était une équipe toute nouvelle, c'est-à-dire presque 10 joueurs, presque 10 nouveaux joueurs. Beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas le championnat, dont moi, donc c'était difficile de s'adapter et de progresser, mais je trouve qu'on a bien progressé. Pour la deuxième phase, c'est vrai que les équipes se sont renforcées, mais nous aussi on s'est renforcés, et surtout on a 3 mois de vécu en commun. Donc je pense que ce sera difficile de venir nous battre à domicile, surtout si le public est derrière nous. Et après les playoffs, de toute façon on sait comment ça fonctionne les playoffs. Hein. C'est les équipes qui sont plus solides défensivement qui passeront, et on a hâte d'y arriver. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.